Il n'y a pas de problème d'approvisionnement de carburant dans la région. Le préfet a tenu aujourd'hui à marteler ce message. Il rappelle que l'acheminement de l'essence se fait en dépit du blocage de la raffinerie de Fézin. Nous ne manquons pas de stock de carburant. Les dépôts sont pleins. Ce qui a posé problème, c'est la logistique, c'est-à-dire l'approvisionnement et l'acheminement par les camions. Même si la situation des stations-service est ici meilleure que dans l'Ouest, certaines stations peuvent manquer d'un type de carburant et surtout, les prix ont tendance à augmenter. Ça a pris au minimum 15 centimes depuis plus de deux semaines. Donc... Moi, je ne sais plus combien, un 19, je crois, ou un 29. Il y a des endroits à 14, il y a des endroits où il y a au moins 10 centimes d'écart. Il y a beaucoup de problèmes abusifs. Hein. Et en plus, là, c'est la merde, là, la crise. Il n'y a pas d'essence, là. Sur les excès de prix à la pompe, la préfecture affirme qu'elle reste vigilante. C'est de dresser des constats d'infraction. Je n'ai pas un point précis de ce qui se fait, mais le gouvernement a donné des instructions, effectivement, pour que la réglementation soit respectée. Le préfet a confirmé qu'il n'y aura pas de réquisition à Fézin. Sur les 250 stations dans le Rhône, seulement 5 sont à sec.